Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui mardi le 26 août 2014. Donc je demanderai tout d'abord de centrer toute votre énergie au niveau du chakra du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Je suis désolée, depuis quelques temps, je suis beaucoup. Soit je le fais pas, le tirage, ou je suis en retard, je suis très tard, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de travail divinement donné. Autant au niveau des lectures, des coachings, des soins énergétiques, que j'ai beaucoup de formations qui est en train de se créer présentement. J'ai au moins 6 formations au total, dont un va être en format e-book ou imprimé au niveau du tarot. C'est un livre de 231 pages. Quand même, c'est un travail qui est finalement complété. J'ai fini ça hier soir à minuit. Donc, il va être imprimé jeudi. Et puis, je devrais recevoir ça vendredi ou lundi prochain. Donc, pour les gens qui vont être au salon de Lévis, les 5 et 6 septembre prochain, ben, je vais avoir des copies là. Sinon, j'ai également des formations au niveau de formation audio, des formations que j'ai soit en vente, tout ça va être en vente aussi sur mon site internet www.chantalleduc.ca. Je vais avoir aussi des formations en format audio, canalisation, communication avec les guides, chakras. Méditation, dossier akashique également. C'est soit en CD ou, ben là, je ne sais pas si ça va être en CD, mais je vais avoir au moins des téléchargements qui vont être disponibles. Donc, ça va se faire aussi par après, au cours de la semaine, puis la semaine prochaine. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Donc, je suis pas mal. Puis là, aujourd'hui, ce que j'ai su, c'est que le 29 octobre prochain, je vais donner une conférence à Terrebonne. Une conférence atelier, je dirais, où je vais être seule. C'est toute une soirée. Les gens à qui ça intéresserait, je vais avoir des billets en vente. Je vais recevoir ça au cours de la semaine prochaine. Je vais pouvoir les vendre dans le salon, mais aussi, je peux vous les vendre. C'est 10 $, hein, les billets. Moi, je vais avoir une vingtaine de billets en vente. 10 $ pour 2 heures de conférence atelier environ. C'est pas cher. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous transmettre des outils. Je vais prendre dans toutes les formations que j'ai créées jusqu'à date. Je vais prendre de mes meilleurs outils. Je vais faire quelque chose, puis je vais vous transmettre ça au cours de la soirée. Donc, si ça vous intéresse, c'est ça. C'est le 29 octobre à Terrebonne. Ça fait une belle sortie. C'est un mercredi soir. C'est à 19 h, 19 h 15 environ. Donc, puis ça va être un honneur pour moi de vous rencontrer là. Donc, tout ça, vous allez pouvoir voir ça sur mon site internet ou me contacter moi directement, Chantal Leduc. Donc, ce que ça dit aujourd'hui par rapport à la lecture d'aujourd'hui, c'est de faire attention. Il y a des signes qui vous sont envoyés depuis un certain temps, que la vie vous envoie, que les sources vous envoient, vous guident votre âme. Puis, vous entendez pas, vous voyez pas nécessairement tous ces signes-là, mais il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui sont là pareil comme les rêves la nuit, hein, quand c'est répété, répété au courant de la nuit, c'est qu'il y a quelque chose que la vie essaie de nous faire comprendre, mais c'est la même chose dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc, portez attention à ça. Vous avez beaucoup manqué de centration dernièrement. Il y a plusieurs raisons. Ce que je vois, c'est que pour beaucoup, c'est au niveau énergétique qu'on est en train de nettoyer vos disques, vos vieux disques pour vraiment pouvoir programmer des nouvelles choses dans votre énergie. Puis, ce qu'on ressent, c'est que même moi, je l'ai vécu, c'est qu'on peut être face à quelque chose qu'on est habitué de faire par exemple, puis on oublie. C'est comme s'il y a un oubli, il y a un manque de concentration. C'est ça fait partie de l'énergie pour la plupart. Sinon, ben, vous pouvez toujours aller voir, consulter pour voir ce qui se produit, mais il y a un manque de concentration. Ce que ça me dit, c'est qu'on travaille beaucoup au niveau de votre clairvoyance aussi.
depuis un certain temps. Donc, la clairvoyance est de plus en plus active, développée, elle s'en vient de plus en plus accrue et c'est excellent. Vous pouvez toujours invoquer des énergies pour vous aider parce que des fois, au niveau du mental, ça ne fonctionne pas très bien. Mais demandez qu'on vous aide à comprendre ce qui vous est envoyé par clairvoyance. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre vie actuellement. Il y a beaucoup de lâcher-prise aussi. Bon, là, vous êtes en train de vous aligner avec l'ordre divin, votre plan divin, puis c'est excellent. Oubliez pas, dans le futur, vous allez avoir à, je dirais, vivre certaines choses qui vont être plutôt pour votre évolution. Oubliez pas le pouvoir des affirmations, des prières, puis de l'intention. Ça, là, tout ce qu'on dit, moi, je peux vous dire, là, la vie me fait expérimenter des choses, puis tout ce qu'on dit, là, ça a un impact direct. Plus on va vers la lumière, moins on peut aller vers le négatif, si je dirais. C'est, admettons que c'est, on matérialise très, très vite. Puis moi, ce que je ressens, c'est qu'aussitôt que je vais faire quelque chose qui n'est pas tout à fait lumière, j'ai une conséquence directe dans mon énergie. Je le ressens, je le vois, je l'entends. C'est clair, clair, clair. Donc, c'est ça. Si vous êtes inspiré aussi, allez chercher plus de flexibilité par des exercices, par du yoga ou pouvoir communiquer plus avec la source. C'est sûr que en amenant plus de flexibilité dans tous vos membres, dans toutes vos articulations, ça va être. C'est comme si ça, l'énergie, le courant passe mieux. Donc, puis pour communiquer plus avec la source, etc., ben c'est le courant, c'est l'énergie qui passe à travers vous. Donc, voyez à ce que vous puissiez faire quelque chose pour vous rendre plus flexible, pour que le courant passe mieux. Puis tout ça fait, tout ça entendu, tout ça suivi, étant plus aligné avec votre corps de lumière, votre âme. C'est sûr que tout ce que vous allez recevoir, vous allez le matérialiser, puis ça va être victoire et succès. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et lumière à vous. Merci et à demain.